Bonjour à tous mes pandas, salut c'est Natek, bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour vers le futur. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous devons remettre finalement cette citation à comparaître. Et dans ma tête, j'ai pensé à quelque chose, j'ai rêvé d'une petite idée, puisque je me suis rappelé qu'on avait enregistré la formule que nous avait donnée le doc sur le magnétophone. Et j'ai une astuce que je pourrais peut-être réitérer, cette astuce, je peux sûrement la réitérer quand Kitana nous demande de descendre d'en bas. Et c'est pour ça qu'il y a une boucle infinie ici, puisqu'on a forcément une action à faire. Donc je pense que nous allons devoir nous en servir pour enregistrer le son. En tout cas, j'espère que ça va être ça. Franchement, ça m'arrangerait. Puisque ça fait 2 épisodes que nous sommes bloqués sur ça, quand même. Donc, on va voir. Hop. Make me ink. Eh oui, c'est Did you do that thing, you ça. scrawny little runt? Get down here right now. Donc voilà, ça a fonctionné comme une illumination. Donc, hop, et on va appeler Einstein. Franchement, j'étais comme ça en train de penser qu'il fallait que je fasse la suite de ce let's play. Et j'y pensais à toutes les idées, comment on allait pouvoir résoudre le problème. Et en fait, c'était très simple finalement, en fait, mais c'est tordu. Faut savoir. Mais qu'est-ce qui te vient à l'idée de savoir qu'il faut enregistrer la voix avec le téléphone, quoi? Donc, ça, par contre, je galère toujours autant parce que ma souris n'est pas sur le bon écran. En fait, ma souris change d'écran toute seule. Donc, du coup, je suis quasiment qu'à la souris. Donc, nous, on a récolté l'alcool, donc, enfin, on l'a pas vraiment récolté, mais comme on a changé l'endroit de réunion, on va pouvoir garder un peu d'alcool pour nous. Alors, du coup, maintenant, comment on va faire pour le faire descendre? Bah, facile, on va l'appeler. Now. Putain, il est complètement barleux, lui, hein. Il va câbler. Parfait. It's kid. Right away, boss. Ah, where's kid? Et on va lui remettre la citation. Arthur McFly? Yeah, got something for J'ai you. quelque chose pour Thanks. vous. Merci. Une citation à A comparaître. subpoena? Voilà une citation à comparaître devant la cour pour fournir des preuves dans l'enquête de Take Kitan sur it Kitanen. Je n'en veux pas. Vous ne vous en sortirez back. pas comme ça, Once McFly. Une fois la served, citation don't you reçue, make il a est de report votre to the devoir de vous rendre à la cour possible au plus time. vite si vous n'y allez Failure pas, to vous do so risquez la won't warrant prison. for your arrest. La prison? Mais qui va me Kid, I tuer, feel stupide, mean. stupide Arthur, nom Stupid, de nom, stupid qu'est-ce que je Arthur. vais faire? Cats, what am I gonna do? I Je suggest you suggère de avail profiter de la yourself to the protection de la protection of the cour. court. Oh là Oh là là, oh là gosh. là là là. Et bah voilà, tout ça est réglé. Il va falloir qu'on fonce au manoir pour. Bon, on a remis la citation à comparaître, on s'est fait livrer un bidon d'alcool chez vous. Au labo, on va construire votre fameuse répercussion. Vous avez un labo, n'est-ce pas? Quel genre de futur détenteur de brevets serais-je sans labo? Allons. Eh oui, puisque nous avons besoin de l'alcool. Je vais chercher la foreuse à percussion. Parfait. Allez, il n'y a pas une minute à perdre. Mais nous sommes toujours à l'épisode 1, faut le savoir. Vous êtes sûr que ça va fonctionner? Ne me laisse pas impressionner par l'état de délabrement avancé de mon laboratoire. Si tout se passe comme prévu, nous avons bientôt le kérosène le plus puissant jamais conçu par l'homme. Génial, mais comment? C'est très simple. Ce vilebrequin génère un courant continu puissant à l'intérieur de la chambre et de l'hydrogène qu'il faut régulièrement libérer dans la colonne principale de distillation. Pendant que l'hydrogène agit, nous devons saupoudrer à intervalles réguliers des protéines dans cet aquarium de bactéries, de protéines. Je peux pas tout lire. Oh,
Non, chaud, très chaud. La réaction doit être maintenue à la température parfaitement constante de 623 cette souffleuse. Des questions? Bien entendu. Emmett? Qu'est-ce que cette bande d'ivrognes fabrique sur notre pelouse? Par la barbe de Galilée, c'est mon père. Et il ignore que je me lance dans des recherches scientifiques ici même. Il pense que c'est là que je potasse mes livres de droit. Suivez la réaction, moi je me débarrasse de lui. Surveillez-la, il ne faut pas attendre qu'il parte pour continuer. C'est trop tard, la réaction a déjà commencé. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai au mieux. Emmett. J'arrive, père. Père, ne m'appelle pas père, fiston. Termine de raffiner le carburant destiné à l'invention. Pourquoi ne pas insoutenable de tes attentes? Il faut alimenter le feu. Ils ont dit qu'il fallait qu'elle le laisse à Constance. Donc. J'espère que c'est ça. Écoute bien les mots sur lesquels j'insiste. Les mecs ne n'hésitent pas de tourner sur le dos. Oh merde. La pression. J'ai la pression gazeuse. C'est peut-être un choc, papa. Choc. Où est-ce qu'on crée le choc? C'est là? La flamme de la passion pour alimenter le feu. Donc il insiste sur tous les mots et nous on a juste à suivre en fait. Parfait, maintenant ferme cette soupape. Parfait, nous avons un petit bout de chemin. Emmett, reviens ici. Oups. Ouh là là. On écoute ce qu'il dit et tu seras heureux que je me fasse foudroyer, c'est ça. Foudroyer, c'est où? Et non, c'est pas ça, perdu. Qu'est-ce que vous avez fait? Emmett, à qui parles-tu là-dedans? À personne, père. Que brasser l'air, voilà, c'est dit, brasser l'air. C'est ça. C'est ma faute si les textes nous étincellent dans mes yeux. Étincelle, c'est où? Puis on s'échauffe. Ça peut être que ça. Non, c'était pas ça. Bah, je comprends pas ce qu'il me dit. Écoutez bien ce que je dis. Emmett, j'en ai pas, c'est fini avec toi. Que la Terre tourne. Qu'est-ce qui tourne? Ça. C'est ça. Appelle-toi un groupe d'avocats et commence à nous en feu. C'est ça. Pourquoi ne pas gaver? Ah, c'est là. Gaver, c'est là. La pression. Pression. Inventer le feu, papa, c'est ça. Ah, la moitié. Oh, c'est chaud. C'est chaud. En vrille. C'est quoi la vrille? Oui, c'est ça. La soupape de décompression. Ça peut être que ça. Oh! Je croyais que vous étiez scientifique. Emmett! Ah, mais la pression là! Faut pas se rater quoi, c'est.
Ce qui tourne, c'est ça. Ce que tu nourris ta réflexion, c'est là-bas. Alors, Crystal, j'ai pas entendu. Un tour. Choc, ça peut être que ça. Non. Mais non, mais tournez, c'est ça. Don't touch anything until I tell you to. Faut que je fasse gaffe là parce que. Un choc, mais c'est quoi? Ah, c'est enflammé, bon, c'est ça. Non, mais non, mais. Écoute bien les mots sur lesquels j'incite. Mais oui, mais c'est ce que je fais, j'essaye. C'est pas facile là. Je sais pas si on a le temps en fait. Un groupe est coincé dans un immeuble en feu. Bah c'est ça alors. Voilà. Est-ce que... Lave. Manger. Là faut que je fasse gaffe en fait parce que... Mais non. Et manger c'était ça. Heureusement qu'il n'y a pas de soucis, quoi, parce que... Les locales sont des poches de gaz. Gaz. Le feu. La pression. La pression, c'était ça. Mais non, mais c'est une grosse blague parce qu'en fait les phrases s'enchaînent avec les sous-titres et tu peux pas suivre. Le feu poudre, c'est ça. Je sais pas quand c'est qui parle et. Étincelle. What will it take to light a fire under your unappreciative fine core? C'est peut-être que ça. Parce que je vois pas que ça soit encore l'autre. Voilà. Brasser de l'air, allez, c'est ça. Don't you have a release valve on your mouth somewhere? Are you trying to spin this argument? Soupable, j'ai pas compris. C'est posé. Non, c'était nourri, punaise. Nourri, c'était ça. Hop, souffle. On y est presque. Ça va être chaud là. Libéré. S'échauffe. Pression. Bactérie. Et pression. Non, pression, j'ai dit. Oh. J'ai cliqué trop vite. Maybe I should just get struck by lightning. Would that make you happy? Or what use is a microorganism for law? Microorganisme. It may come as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. Can't you see this is eating me up inside? Me ronge. I strongly object to the current. Oh non, parce que j'étais pas assez rapide. Don't touch anything until I tell you to. J'ai rien touché en fait, hein. Il l'a fait tout seul. Hein. Vrille. Allez, ronge.
Soupape. Non, soupape, c'était l'autre. Non, c'est ça, soupape. Brassé. Poche de gaz. Souffle. Gavé. Mets le feu aux poudres. Généré. En feu. Ouh. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, jeune homme. Ouf. Eh ben, on s'en est sorti. Tout va bien. Votre père et vous, vous avez l'air. C'est une discussion que nous aurions dû avoir il y a bien longtemps, nous. Eureka! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est alimenter cette vieille foreuse. Je peux le prendre et partir. Mais vous ne voulez pas essayer d'abord? Je n'ai pas le temps. Là, dernier train pour Washington DC. Pas. Ah, c'est vrai, vous devez amener ce bijou institutionnel. Exactement. Dites-moi, Mr. Cleon, quand ai-je des nouvelles de l'institut? D'ici un mois. Oh, d'ici, je dirais. Emmett, je ne travaille pas pour l'Institut. Je ne comprends pas. Je vous ai menti, je ne voulais pas, mais c'était le seul moyen pour que vous me fassiez confiance. Vous voyez, quelqu'un a de gros ennuis, quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, pour nous deux. Je ne peux pas vous dire oui, mais qui, mais je dois le sauver. Ce soir, j'ai besoin de votre intervention pour ça. Je vous la rendrai, c'est promis. Et Emmett, vous serez un grand inventeur. Attendez. Maintenez l'accélérateur sur 8 environ. Eh ben c'est parfait tout ça. Allez, on le libère. Ok Doc, j'ai la foreuse. Maintenant il vous faut sortir, il vous faut sortir de là. Oh putain, c'est quoi ça? Allez, démarre. Oh le bordel. Mr. Cleon. Vous êtes en retard. En retard? Mais Doc n'est pas censé être. Doc, il le transfère dans un autre service pour des raisons de sécurité. Oh, je ferais bien d'aller demander une estimation à la police. Camion de police intercepté, suspect abattu, il lui court toujours après. Comment vais-je pouvoir le sortir de là? Va sauver Doc. Eh bien, c'est ce que nous ferons dans l'épisode de samedi prochain. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de ce let's play sur Retour vers le futur, le jeu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao, bye bye, c'était Attack. Je vous fais gros bisous à tous.